Scarce. Ça a l'air vachement cool. Ok, c'est en anglais, ça c'est moins cool. On va essayer de comprendre un petit peu. You never come to purr on my knees these days. There are so few naturally perfect things. My poor friend, you were one of them. Here I feel as lonely as only a god can be. I was rejected by those I had made. I shaped them in the image of man. Clay, bone powder, and a drop of ichor. Just that was enough to make something mad. C'est bien dark, hein? You've been tainted too, haven't you? No, don't say a thing. They've just taken too much after humans, of our darkness and malice. Now, they're all cleft with it. Maybe I am a god that failed. You're trying to soothe me. See, my loyal pristines should have returned a moon ago. None of the eighth. Is that so? Yet Grey Urba lives. She can't be gone. As long as she lives, the communion is destined to happen. The moon will feed on them no more. For this will have to brave many, many moons to come. Shall we not, my friend? Bon, après un début assez étrange, nous voilà partis. Castel Utskirts. Alors, carré. X pour sauter. Taché. Laisser appuyer carré, ça fait une sorte d'attaque. Tourner. Bien, ça fait quelque chose. Je sais pas ce que c'est. Jump. Ouais, les animaux sont Moonscar. Un petit jeu qui m'intéressait depuis un petit moment. Assez sombre. Et du coup. Ça peut être du Blasphemous. Charge attaque. L1.
Ah, ok. Ok, parfait. Là, on est pas mal. Aller en bas. Quoi? Va prendre des pouvoirs avec le miroir. D'abord que j'apprenne quelque chose ici. Ah, le Dark Miroir, voilà. Avec ça, je peux apprendre des. Et on peut changer nos pouvoirs par la suite. Hop. Mon dieu. Character! On va descendre là. Voir, on peut détruire. Ah, je voulais. Oh, c'est méga puissant. Ouais, tout à fait, on peut se soigner, enfin faut vraiment jouer avec ce pouvoir en fait. Sang de poudre. Elle a quoi? Ah, R1 pour parer. Ah, voilà. Oh oui, c'est ce que je voulais faire. Force Future. Là, tu vois, on a 350, donc ce serait peut-être pas plus intelligent. Poison, il faut 1000. Ça coûte 3000. 3000 aussi, bah d'accord. Par contre. Une amulette. Mais par contre, est-ce qu'on pourrait pas avoir. Langue français. Bah voilà. Ah, nous avons du français, les amis. Sorcellerie. Ok, maintenant on va pouvoir. Parfait, maintenant on va pouvoir. Pas mal. Ouais, ça pue de ouf. Niveau de malveillance, Irma la Grise, ces choses, je me souviens d'elles. Objet trouvé, moule mémorielle.
Malveillance. Vous laissez un bonus. Coup de sorcellerie. Récupération. Moi je. Ah ben. Quand il match un ennemi, sa violence augmente. Ah on perd, ah oui c'est chaud hein. Ouais. Peut-être que je peux maintenant ah, j'ai un petit bonus. Aller à droite par là. Ah. Ah de poudre. Comment arrive cela? Chute. Ah zut, ça c'est bête ça. Oh merde. Ah, je suis mort. J'arrive à... remplir un peu mon truc. D'accord. On prend ça, ça peut être pas mal. Oh oui. Pas mal. Du coup, j'étais là... Salut. Il est vraiment moche celui-là. Chicoriste en passe. Étrange. Quoi? Quoi? Non. Moi, je veux pas aller là. J'ai pas fini. Premier. Robuste et permettant d'échapper aux griffes de la douleur. Intriguant. Attends, non. Là, je peux pas aller. Endroit... Atelier des moules, cet endroit abandonné par la lune sert de refuge aux créatures qu'Irma la Grise rencontre. Ok. Une sorte de... pas de QG, mais un peu comme un petit QG, ouais. Excellent. J'ai raison, j'ai beaucoup perdu de Nishor. Je vais me battre de toutes mes forces alors que mon ganglion est dans cet état. Ok. Qu'est-ce qui va se passer?
Arme spéciale, tourbillon. Les ennemis subissent au fil du temps. Cimetière ou le gantelet. Oh. Non. Il était costaud lui. Yay. Chance critique, chance de sort gratuit plus 20% près de malus. 30% quand même. Hein. C'est là que je dois aller. On va juste activer le. Voilà. Comme ça, on a ce qu'il faut. On a le. La fanfare. S'il faut, c'est au bon. On va se soigner un petit peu. Merde, douille. Comment faire? Sans que je, dash. Yes. Allez. Pourquoi je veux pas ça? Un ganglion. Oh. Oh oui. Ils sont pas allés tout seuls. Ça c'est cool. Malveillance. Soins, efficacité des soins. Allez, chance des soins et les meilleurs. En hauteur. Ça revient à chaque fois ? Objet trouvé, moule mémorial Icor, souvenir de l'Icor perdu par Irma, figure d'une matière étrange. Voilà, on a trouvé. Ok, nous revoilà vers l'ascenseur les amis. Tac, on va le prendre, c'est sûr qu'on avait activé, on va aller de l'autre côté du coup. Hop. On est juste ici. Ah le chat. C'est mon cadavre. En effet, ça veut dire que ton ombre ne cesse de te mordre les talons, chaton. La maîtresse céleste doit être plus que satisfaite. Je dois retourner au sommet du château. Il faut que je voie le sculpteur. Oh, elle a toujours un talent fou pour abattre tes créations, Soran. Sois un peu indulgent avec elle, tu veux bien? Très bien. Argile renfoncée. Santé maximale augmentée de façon permanente. Ça, c'est cool. On accepte tout ça. On accepte. Alors, soit je vais par là. Soit je peux descendre. Pourquoi je peux descendre? Et là, si on était avant? Ouais, ok. Modèle d'argile. Les modèles d'argile contiennent des ennemis endormis, susceptibles de se réveiller à tout moment. Ah bon? En avant, fidèle compagnon! Aïe, oh la vache! Soins, précision. Allez, un peu de précision, mais un peu de tout comme ça. Boy. Ah, quoi? Tu es d'où toi? Je vais me tuer. Vache. Voilà.
Là, il y a un miroir, donc je suis obligé d'aller par là. J'ai cru que j'allais être empalé. Sacrifice. Les miroirs compos exigent du sacrifice. Si vous voulez lier ce miroir à l'atelier, ce moule sera définitivement perdu. Mais non, je veux pas. Quoi ? Je dis ok, mais non, pas ok. La double s'est éveillée. Liqueur sombre bouillonne. Quoi ? Débarrassé de ton moule, mais il a refusé de disparaître. Le vide qui est en toi s'agrandit, tant mieux. T'avais pris ton visage, et t'es pour avec. Allez, va la trouver. Oui, tu l'as. Après sa cuisse, Imaris perd une attaque spéciale, et le moule qu'elle a abandonné se transforme en double maléfique. Elle est là. Salut. Mon ombre me poursuit. Je savais que je suis ce que tu avais, je suis toi. Un vieux tas de glaise. C'est un mensonge, tu le sais bien si tu veux que moi. Oh là 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 là. Oh, de suite. On va enchaîner avec ça. Ça fait mal. Ouch. Ouch. Wow. Saleté de double. Broken réflexion. Bim. Clé miroir. La double a volé cette clé dans l'espace qui se situe à l'intérieur des miroirs des ténèbres. Ok. Et du coup là le miroir est de nouveau... Argia. Pourquoi je bats au ganglion? J'ai déjà tué cette chose. Tu as perdu quelque chose d'important, chaton gris. Tu as oublié? Ton licor est devenu inconsistant et faible. Il s'est gâté, comme le mien. À chaque fois que tu crées un moule, tu verses une partie de toi dans l'argile. Ton licor imprègne l'enveloppe et lui permet de se dresser déjà pour sa propre volonté. C'est ainsi que ton corps se vide de son licor, c'est ainsi que la stagnation est évitée. À présent, ton licor t'appelle. À chaque coup que tu portes, il revient goutte à goutte, changé, renouvelé. Il a retrouvé son éclat. Baliver un stamina de haine ne peut pas. Lorsqu'on jette quelque chose, l'on cesse d'être entier. Très bien. Là, rituel d'argile, je peux utiliser des ganglions. Il y a cendre, essence et viscères. Donc si je fais ça... Voilà, j'ai tout. Non, mais pas mal les amis. Bon bah écoutez, c'est la fin de ce premier épisode. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je suis intrigué par ce jeu très glauque, très sombre et... Ah, donc on est plus sur l'aventure et sur l'histoire. Allez, portez-vous bien !